So hello, welcome to the second session of the virtual training. Please note that the session is being recorded. Today we are going to see the cell passaging, the cell seeding, and the cell freezing. I will start with the cell passaging. So passaging cells or subculturing is the transfer of cells from a previous culture into a new vessel, and then a fresh growth medium. This procedure enables the expansion, the propagation of the cell line, and to passage the cells, you should harvest the culture here, and then reseed the cells into multiple cell culture vessels. So cell passaging, or what we also call cell splitting, is a technique that enables to keep cells alive and growing under cultured conditions for extended periods of time. So in general, cells should be passed when they are 70 to 90% confluent. I mean, when I say confluent, it means, for example, when they cover 70 to 90% of the surface of the culture vessel. So, alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le passage des cellules ou bien la trypsination. Trypsiner les cellules, c'est-à-dire les faire passer d'un support de culture à d'autres supports de culture. C'est-à-dire, on va détacher les cellules en utilisant une certaine enzyme et on va les ensemencer de nouveau dans d'autres plaques ou bien dans d'autres flasques, c'est-à-dire dans d'autres supports de culture. Alors, quand est-ce qu'on va trypsiner les cellules? C'est quand les cellules sont confluentes, 70 à 90 en général pour cent de confluence. Que veut dire les cellules sont à 70 ou bien 90% confluentes? C'est-à-dire qu'elles couvrent presque la totalité de la surface ou bien qu'elles couvrent jusqu'à 70 à 90% de la surface de ce support de culture. Donc, comme vous les voyez, on les détache là. Puis on les ensemence selon une certaine densité. Et là, les cellules sont beaucoup moins denses que là. Donc, elles vont recommencer à se diviser. So, in general, each cell culture has a passage number. The passage number of a cell culture is the number of times the culture has been subcultured. So, à chaque fois que j'ai une culture cellulaire, elle a un numéro de passage. Ce numéro de passage indique combien de fois ces cellules ont été trypsinées. Quand je dis trypsinées, c'est parce que vous allez voir qu'on va faire le détachement des cellules avec de la trypsine. D'accord? Alors, c'est combien de fois ces cellules ont été détachées et réensemencées dans de nouveaux flasques ou bien dans de nouveaux supports de culture. Alors, pour les cellules EPARG, ces cellules-là doivent être trypsinées le jour 14 quand elles sont bien à confluence, mais aussi, pas seulement à confluence parce qu'elles sont à confluence en général à 7 jours, quand elles sont à confluence et elles sont prêtes à être trypsinées, c'est-à-dire elles ont déjà commencé le processus de différenciation. Alors, for HepaRG cells, these cells should be subcultured at day 14 when they are at 100% confluence and they are ready to be passaged. I mean, they already started the differentiation process. So we harvest the cells by trypsinization, which means we add trypsin and EDTA to induce cell detachment. Now we are going to see how this technique is performed. Lucie, alors on va voir comment on réalise cette technique. Alors, maintenant, vous devez chercher Lucie Auger et vous devez faire un pin pour la vidéo pour que vous voyez l'image au labo. So, please search for Lucie Auger and pin the video to see the live from the labo. Okay, great. So, these cells will be trypsinated today. You can see that the cells are at confluence. They cover all the cells, the vessel surface. Alors là, les cellules vont être trypsinées. Voilà les cellules qui vont être trypsinées. Comme vous pouvez le voir, elles sont à confluence, c'est-à-dire elles couvrent toute la surface du support de culture. Donc, il n'y a pas de vide entre les cellules.
Voilà. Alors, first of all, we should prepare all the required supplies. So we should pre-warm DPBS. DPBS is Dalbeco's phosphate buffer saline. So it's a buffer used to maintain a consistent pH between 7.2 and 7.6. Compared to PBS that you know, DPBS is slightly lower in phosphate concentration and may include or not calcium and or magnesium. Alors, and also we should pre-warm trypsin EDTA and the growth medium. The trypsin EDTA will be used for cell detachment and growth medium will be used for the cell seeding. Alors, comme vous le voyez, avant de commencer, on doit préparer le DPBS. Le DPBS, c'est un tampon qui va assurer un pH entre 7,2 et 7,6. C'est comme le PBS que vous connaissez très bien, sauf que celui-là peut contenir une concentration légèrement inférieure en phosphate, comme il peut être calcium and magnesium free or not. Donc, il peut contenir ou pas des ions de calcium et de magnésium. Il faut également préchauffer à 37 degrés la trypsine EDTA qui va être utilisée pour détacher les cellules et le milieu de culture ou bien ce qu'on appelle growth medium. So, always, always prior to trypsinization, as we saw, prior to cell detachment, we should observe the cells under the microscope. Please do not forget. So, toujours, toujours avant de commencer, il faut observer les cellules sous microscope. Alors, why we should observe the cells under the microscope? One, to check their morphology, to check their confluence, to check or to verify that there is no sign of contamination. Alors, il faut voir si elles sont bien confluentes, il faut voir leur morphologie, il faut voir s'il n'y a pas de signe de contamination avant de faire toute cette procédure. Alors, on peut commencer. We start by aspirating the culture medium, the existing culture medium. Alors, on va commencer par aspirer le milieu de culture qui est dans le flasque. And then we will wash the cells twice with DPBS. Après, on va laver les cellules deux fois avec le tampon DPBS. Alors là, on aspire le milieu. And then we should work quickly to avoid keeping the cells for a long time without a buffer or cell medium. Alors, this washing step is of high importance as serum that is present in the culture medium is a trypsin inhibitor. So, we should remove it. Alors, ce lavage qu'on va faire deux fois avec DPBS est très, très important parce que le sérum qui est contenu dans le milieu de culture peut inhiber la trypsine. C'est un inhibiteur de la trypsine. Alors, il faut s'en débarrasser. Alors, the second washing to get rid of any trace of serum to avoid inhibiting the trypsin. Alors, un deuxième lavage. On laisse le DPBS en contact avec les cellules pour quelques secondes. Pour être sûr qu'on s'est débarrassé de toute trace de sérum qui peut inhiber la trypsine qu'on va ajouter plus tard. So, then we remove the DPBS and quickly we add trypsin EDTA. For example, for a 25 centimeter square flask, the small flask that we are seeing now, we should add 1 ml of trypsin EDTA. Alors, on ajoute la trypsine EDTA et comme vous voyez, on couvre toute la surface and then we incubate the flask at 37 degrees for at least 3 to 4 minutes. Alors, après, on va incuber le flask pour au moins 3 à 4 minutes à 37 degrés. Ça, c'est pour les cellules épargées. Alors, maintenant, je vais expliquer pourquoi on utilise la trypsine et le EDTA. Alors, why do we use trypsin EDTA for cell detachment?
Trypsin is the most frequently used enzyme for passenger cells. It digests the proteins that adhere cells or that let the cells adhere to the flask. Why we use EDTA? Because EDTA, as you know, is a calcium chelator. So when I say calcium chelator, it means that EDTA will remove the Ca2 plus ions. And these ions are required for cell adhesion. So when we add EDTA, it enhances the cell detachment. Alors, la trypsine, d'accord, ok. Alors, elle a laissé, maintenant il nous reste 2 minutes. Alors, la trypsine, elle est très utilisée pour le détachement de cellules. Ça va digérer les protéines qui vont permettre aux cellules de s'adhérer à la flasque ou bien à n'importe quel, comment dire, un support de culture cellulaire. On ajoute le DTA parce que, comme vous avez déjà vu dans le TP de biologie moléculaire, le DTA est un chélateur des ions bivalents, c'est-à-dire chélateur des ions calcium et magnésium. Et alors, ça va chélater ces Ca2+. Or, ces ions Ca2+, sont nécessaires pour l'adhésion cellulaire. Alors, une fois que ces ions ne sont pas là, ils sont absents, ils sont chélatés, cela va aider au détachement des cellules. Alors, on regarde tout le temps le temps, comme vous le voyez, cause, careful, the proteolytic digestion caused by trypsin can also damage the integrity of the cell by cleaving cell surface proteins. So the trypsinization time should be limited to the amount of time required to just detach the cells. This time needs to be determined for each type of cells. Alors, comme vous le voyez, on est en train de regarder tout le temps le temps qui reste. Pourquoi? Parce que la trypsine qui va permettre de digérer les protéines, elle est aussi toxique pour les cellules parce que ça permet de digérer ou bien ça cause la digestion des protéines qui sont sur les membranes cellulaires. Alors, ça peut être toxique pour les cellules et chaque type de cellule nécessite un certain temps pour qu'il y ait un détachement de ces cellules. Alors, là, on va prendre le flasque, on va taper d'un coup sec. Pourquoi? Parce qu'on va aider les cellules à se détacher. Alors, after 3 minutes or 2 minutes or 4 minutes, depending on the cell type, we should tap on the flask to help cell detachment. We can perform a quick inspection of the flask by microscope or visually, as we are doing now. Donc, comme vous le voyez, on tape sur le flasque et on regarde visuellement comme ça, mais on peut aussi regarder sur le microscope pour voir s'il y a eu un détachement de cellules. So if a significant number of detached clumps are visible, we can proceed to the next step. If no, we should re-incubate the flask at 37 degrees for an additional 1 or 2 minutes. So maintenant, comme vous voyez, on est en train d'ajouter le milieu de culture. So to inactivate trypsin, we add the appropriate volume of growth medium. And now we are going to see cells under the microscope to check that the cell detachment is complete. So en français, alors, il faut vérifier que les cellules sont bien détachées. Si elles sont bien détachées, c'est bon. Si les cellules ne sont pas bien détachées, il faut réincuber pour 1 ou 2 minutes en plus avec la trypsine. Là, pourquoi elle a ajouté tout de suite le milieu de culture, Flusa? C'est pour inhiber l'action de la trypsine. Parce que, comme j'avais déjà dit, la trypsine peut être toxique pour les cellules parce qu'elle peut digérer les protéines cellulaires. Alors, elle a tout de suite inhibé en ajoutant du milieu de culture. C'est parce que le milieu de culture contient du sérum. Et après, elle a observé au microscope et elle a vu que les cellules sont bien détachées. Alors, là, elle est en train de faire des allers et des retours avec la pipette pour, en fait, disperser les cellules. Alors, we added growth medium to inactivate the trypsin. Sure, it's a medium containing serum. And then we piped this medium up and down over the cell layer surface several times to disperse cells.
So here I would like to explain how the growth medium can inactivate trypsin. So as said, it's the serum in the growth medium because the serum contains many protease inhibitors, so it's able to inactivate trypsin. Alors, le milieu de culture contient du sérum. Le sérum contient des inhibiteurs de la des protéases et donc ça inhibe la trypsine qui est une protéase. Alors, Flusa, juste une seconde là, parce que je ne te suis plus. Alors, so as you can see, we transfer the cell suspension, the harvested cells, to a round bottom tube. And then we will rinse the cell layer surface, also with appropriate volume of growth medium. Mais avant, j'aimerais bien vous dire que... alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit en français? Oui. En fait, si le milieu ne contient pas du sérum, si le milieu de culture ne contient pas du sérum, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser une solution de neutralisation de la trypsine ou bien une solution neutralisante de la trypsine qui en fait consiste en du sérum FBS, fetal bovine serum, avec du PBS. Alors, j'étais en train de dire que if the growth medium does not contain serum, so you should use a trypsin neutralizing solution, which is FBS or fetal bovine serum plus PBS. Yes, okay. Oui, Flusa, on peut continuer. Alors, là, comme vous voyez, elle a transféré la suspension cellulaire dans le tube, mais de nouveau, elle va prendre, d'accord, elle va prendre 1 ml de milieu de culture et elle va laver le flasque de nouveau avec ce ml de culture pour être sûre qu'elle a emporté toutes les cellules. So, she's rinsing the cell layer surface with 1 ml of growth medium. And then we transfer this volume to the cell suspension. Alors, après le lavage, elle va transférer ce volume dans le tube contenant la suspension cellulaire. So, at this stage, some labs centrifuge the cells and discard the supernatant to get rid of trypsin. And then they resuspend the cells in growth medium. Alors, il y a des labos qui, au niveau de cette étape, ils vont centrifuger les cellules pour se débarrasser de toute trace de trypsine. Et puis, ils vont resuspendre les cellules dans de milieux de culture ou bien ce qu'on appelle growth medium. No need to perform this step as long as you are adding enough volume of serum-based media. Alors, on n'a pas vraiment besoin de faire une centrifugation du moment où vous êtes en train d'ajouter suffisamment du milieu contenant du sérum parce que ça permet d'inhiber. Alors, she's noting the volume of cell suspension. Alors, elle est en train de noter le volume de la suspension cellulaire. And now, cells should be counted. OK. Sur ces 5, quelque chose, Lucille. Ou bien, j'ai pas bien vu, mais peu importe, je vais faire l'explication quand même. Alors, based on the cell count, you can dilute the cell suspension according to the plan of seeding. Alors, elle va compter les cellules. Comme on a vu la fois dernière, elle va faire la même procédure. So as we saw last time, we will perform the cell counting using the same procedure. So a dilution with stripe and blue, then loading in the hemocytometer, and then we perform the cell counting. Alors, Lucie, quand vous faites le comptage cellulaire, moi je vais expliquer. Alors, je vais considérer comme si on avait 5 millions de cellules dans ce volume. Et je fais avec, d'accord? Je montre le calcul. Très bien. Alors, OK. So, let's say, for example, that you have
5 million cells. You obtained 5 million cells in 5 ml. Okay, the total volume is 5 ml. So here is a table that shows the seeding density for each kind of vessels. For example, to seed a 25 centimeter square flask, you need to add 0.5 million cells, and the total volume of cell culture medium is 5 ml. So here, to get 0.5 million cells, what volume of cell suspension should be used? So here we need 0.5 million cells. So it's 0.5 ml. So we need 0.5 ml from the cell suspension, and we should complete this volume to obtain 5 ml as a total volume. So you take 0.5 ml of cell suspension. Theoretically, it should be plus 4.5 ml of growth medium. But you should know that we need to take a little extra volume to be on the safe side, as we should pipe it 5 ml. So if you have really 5 ml, exactly 5 ml, you cannot pipe it 5 ml. So here you can add like 4.6 ml or 4.7 ml. Alors, ici, il y a un tableau qui montre la densité des cellules qui doit être utilisée pour faire le seeding ou bien l'ensemencement de ces différents types de flasques ou bien de plaques. Alors, pour ensemencer une flasque de 25 cm², par exemple, on a besoin de 0,5 million cellules, comme j'avais déjà dit. Et le total, et le volume total de milieu de culture qui doit être ajouté, c'est 5 ml. Alors, si après le comptage cellulaire, imaginons qu'après le comptage cellulaire, on nous a donné le résultat et on nous a dit qu'il y a 5 millions de cellules dans un total de 5 ml. Alors, là, je me dis, moi, j'ai besoin de 0,5 millions de cellules. Alors, je dois prendre combien comme volume? Je dois prendre 0,5 ml de cette suspension cellulaire que je dois compléter pour avoir 5 ml. Alors, 0,5 ml plus 4,5 ml. Sauf que si je mets 4,5 et 0,5, j'obtiendrai 5 ml. C'est très difficile de prélever 5 ml exactement. D'où, je prévois un volume en plus, un certain volume en plus, qui est là, par exemple, de 0,1 ou bien de 0,2 ml. So, another example, if we want, let's say that now we want to seed cells into a 6-well plate. So, if you need 2 6-well plates, for 6-well plates, you have to seed with this density, 0.2 million cells per well. Attention, please, careful, it's per well. So, for 6 wells, you need 0.2 times 6, which is 1.2 per plate. If you need 2 plates, so let's say we need 2 6 multi-well plates. So the cell density, or the number of cells that you need is 2.4 million cells. So I repeat, it's 0.2 cells, a million cells per well. As in 6 multi-well plate, you have 6 wells. So you should have 1.2 million cells for each plate. If you need 2 plates, so it's a total of 2.4 million cells. Again, the result of the cell count is as follows. 5 million cells and 5 ml. So if you need 2.4 million cells, then
Denise. Point 4 ml of the cell suspension. Now we should determine the volume. The volume per well is 2 ml. So 2 ml in each well. So you have 6 wells, so you need 12 ml. And you have to seed 2 plates, so the total volume is 24 ml. So you continue this volume, the 2.4 ml, to get 24 ml. So you take a little extra volume, let's say like 22.5 ml plus 2.4 to have approximately 25 ml. And then you're sure that you can pipe it 24 ml to see 2 plates of 6 wells. Alors, après avoir ensemencé la flasque, la petite, là, le petit flasque, disons que vous voulez ensemencer 2 plaques de 6 puits. Donc, pour chaque puits dans une plaque de 6 puits, vous avez besoin de 0,2 millions de cellules. Or, dans une plaque de 6 puits, vous avez 6 puits. Alors, 0,2 par 6, vous avez besoin de 1,2 millions de cellules pour ensemencer chaque plaque. Alors, ce que vous devez faire pour 2 plaques, c'est qu'il faut avoir un total de 2,4 millions de cellules. Et là, vous reprenez le résultat du comptage, 5 millions de cellules dans 5 ml. Si vous avez besoin de 2,4 millions de cellules, vous devez prendre 2,4 ml de cette suspension cellulaire. Quel est le volume total que vous avez besoin? C'est là. Dans chaque puits d'une plaque de 6 puits, il faut mettre 2 ml de milieu de culture. Comme on a 6 puits, alors c'est 2 fois 6, 12 ml. Et comme vous avez besoin de 2 plaques, là, alors le total c'est 24 ml. Si vous retranchez 2,4 de 24 ml, vous allez à la fin avoir seulement 24 ml. Et donc, pour ensemencer le dernier puits, vous n'allez pas pouvoir prélever vraiment 2 ml parce qu'il y aura de la mousse. Alors, ce que vous devez faire, il faut prévoir un peu plus de volume. Donc, let's say 25 ml ou bien 24,5 ml. 25, c'est trop. 24,5. Dans ce cas-là, vous prenez 22,5 ml de milieu de culture que vous ajoutez aux 2,4 ml de suspension cellulaire pour avoir un volume suffisant pour ensemencer les 2 plaques. Lucie, est-ce que vous avez terminé le comptage? Oui, c'est bon, Pamela. D'accord. Alors, on va se contenter de votre mode de calcul parce que moi, j'ai expliqué le calcul de mon côté comme s'il y avait 5 millions de cellules dans 5 ml. Alors, on ensemence juste un petit flasque et n'importe quelle plaque. 24. Une plaque 24 et une flasque 25. Ok, très bien. Alors, now we are going to see how to seed cells into a flask and into a 24 multi-well plate and I think 96. Alors, on va voir comment ensemencer les cellules. So, the passage number of cells is now P plus 1. So, if the cells were, for example, at P12, so now the passage number is P13. Alors, sur les plaques, comme vous voyez, on note le numéro de passage. Alors, si les cellules, par exemple, avant de les trypsiner, étaient à P12, c'est-à-dire elles ont été passées 12 fois avant, elles ont été trypsinées 12 fois avant, maintenant, elles seront à P13. Donc, on note EPA RG, par exemple, la date d'aujourd'hui, et puis P13. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Soit dans le chat box, soit vous pouvez les poser oralement.
Alors, maintenant, elle est en train de préparer, comme on avait déjà dit, par exemple, on a dit, on prend 0,5 ml de la suspension plus 4,7 ml du milieu de culture. Donc, elle a pris, let's say, 4,7 ml du milieu de culture et elle va ajouter 0,5 ml de la suspension. So, as we said previously, here, for example, we piped like 4.7 ml of growth medium and we add 0.5 ml of cell suspension. To have exactly a density of 0.5 million cells and a total volume of 5 ml. Here we did the dilution directly in the flask because no need to prepare another tube for this dilution as we are seeding the cells only in one flask. Alors là, on a fait la dilution tout de suite dans le flasque parce qu'on prépare un seul flasque. Si vous voulez préparer plusieurs flasques, là, vous devez faire une dilution dans un tube et puis répartir 5 ml dans chaque flasque. Voilà, the flask is ready. We should shake it before placing it in the incubator. Here we are preparing the dilution for the seeding of a 24 multi-well plate. So we transfer into this tube the appropriate volume of growth medium and then we add the appropriate volume of cell suspension. Alors maintenant on est en train de préparer, bien, elle a déjà préparé la dilution pour l'ensemencement de la plaque 24Pi. Donc elle a pris le volume nécessaire de milieu de culture que vous voyez devant vous, celui qui est rouge, auquel elle a ajouté le volume nécessaire de la suspension cellulaire. Donc là, elle a fait le calcul. Voilà, il faut par exemple 1,6 ml de la suspension cellulaire à ajouter à 11,6 ml de milieu de culture. Donc on note ça là, comme ça, c'est facilement visible. OK. Now that everything is ready, we can start the seeding, the cell seeding into the 24 plate, multi-well plate. Alors, you should homogenize the cell suspension by manual swirling. And then we distribute the cells into the different wells. Alors, vous devez bien homogénéiser la suspension cellulaire en faisant des tours, donc en agitant, comme vous le voyez. Et puis, elle répartit 0,5 ml dans chaque puits. Alors, comme vous le voyez, juste avant d'ensemencer chaque puits, elle refait la même agitation, ce même coup, une agitation circulaire. Alors, just before cell seeding into each well, we repeat the same manual swirling to homogenize the cell suspension just before seeding the cells into each well. We are using the micropipette because the volume is only 500 microliters in each well. Alors là, on est en train d'utiliser la micropipette parce que le volume est très minime. Dans chaque tube, c'est 500 microlitres. Comme c'est un petit volume et qu'on doit être précis, donc on utilise la micropipette. Par contre, si on veut ensemencer une plaque de 6 puits, par exemple, là, il faut ajouter 2 ml dans chaque puits. On ne fait pas avec la micropipette, mais avec la pipette graduée. Alors, pourquoi elle homogénise à chaque fois? Parce que sinon, les cellules vont précipiter en bas et donc, on n'aura pas la même densité dans tous les puits.
Alors, we should homogenize frequently to avoid cell precipitation on the bottom of the tube, and then the density in each well would be different. Could be different, sorry. So after cell seeding, we should shake the flasks or plates, except the 96 well plates, and sure the 384 well plates. And we shake them in a cross-like pattern to evenly distribute the cells. Alors, regardez, on fait cette agitation, ce qu'on appelle en forme de croix. Alors, à gauche, à droite, trois fois, puis en haut, en bas, trois fois. Sauf pour les plaques 96 puits et 384 puits, on ne doit pas faire, pour ces plaques-là, on ne doit pas faire cette agitation. Donc, pour toutes les plaques et tous les flasques, sauf les 96 et les 384. Alors, en bas, en haut, à gauche, à droite. Et on répète trois ou quatre fois. Après, on va mettre ça dans l'incubateur. After shaking, we place the flasks and plates in the incubator. Okay, great. Now we are going to see another technique, the cell freezing. Alors maintenant, on va voir une autre technique, c'est la congélation des cellules. So, why do we perform a cell freezing? As I said last time, we need to have a stock of cells, or what we call a cell bank, that can be used later for the expansion of cells and for our experiments. So, pourquoi on a besoin de faire une congélation de cellules? C'est pour avoir un stock des cellules ou bien une banque de cellules. OK, c'est à partir de cette banque de cellules qu'on va pouvoir amplifier les cellules pour les utilisations ultérieures. So, when the desired passage number to prepare your cell bank is reached, you can trypsinize and freeze the cells. Sure, for cell trypsinization, you do the same as we saw previously, and then you count the cells, and according to the cell count, you can determine the number of vials to be frozen. For example, you can decide to put 1.5 million cells in 500 microliters per vial. So, according to the cell count, you can do the calculations and know how many vials can be frozen. Alors, j'étais en train de dire que pour faire la congélation des cellules, on a besoin de trypsiner les cellules. Pour sûr, on ne va pas revoir la trypsination, c'est la même, ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on fait la trypsination, on fait le comptage des cellules aussi, et on va faire les calculs selon, par exemple, si on décide de mettre 1,5 million de cellules dans 500 microlitres dans chaque tube de congélation, selon le comptage des cellules, on peut savoir combien de tubes doivent être préparés. So, prior to trypsinization, you should place as many cryogenic boxes as needed at 4 degrees and label as many cryotubes as necessary. Then you put these cryotubes in a rack on ice. Alors, vous préparez le nombre de tubes nécessaires et vous mettez aussi dans le frigo ou bien au congélateur une cryobox ou bien, c'est-à-dire la boîte que vous allez utiliser pour cryopréserver les cellules. Et là, vous faites un labeling des tubes et vous préparez tout. C'est-à-dire, vous ouvrez les tubes en attendant. So, before starting, you need to calculate the total needed volume of cell culture, of cell culture medium that we will use. Half of this volume should be a 20% DMSO freezing medium. So, which is the gross medium plus 20% DMSO.
Flusa, est-ce qu'on peut commencer la centrifugation en attendant? Comme ça, je fais l'explication concernant le 20% des MSO. Oui, c'est bon, Pamela. On a déjà préparé le mix avec la suspension cellulaire tout à l'heure. Donc, c'est bon pour ton explication. D'accord. OK. So, how to prepare a 20% DMSO freezing medium? Let's say you need a total volume of 10 ml. So, you should prepare 5 ml plus a little extra volume. Let's say 5.1 or 5.2 ml. Here, I will consider that it is 5.5 ml just to facilitate the calculation. Okay? But 5.1 or 5.2 could be great. So you should prepare 5.5 ml of 20% DMSO freezing medium. 20% DMSO freezing medium means 20 ml of DMSO plus 80 ml of growth medium. So the total volume is 100 ml. Let me share the screen. It will be easier. So let's say here, you need a total volume of 10 ml. As I said, half of this volume should be prepared as a 20% DMSO freezing medium. So 5. But you should add a little extra volume to be on the safe side, yani to have at the end enough volume to fill all the tubes. So let's say it's 5.5, 20% DMSO freezing medium. When I say 20%, so it's 20 ml plus 100, plus 80 ml. So, and 100 ml as a total, you should have 20 ml of DMSO. So, and 5.5 ml, you should put 1.1 ml of DMSO. Alors, j'étais en train de dire que pour la congélation, vous devez avoir le milieu de culture normal, mais vous devez aussi préparer ce qu'on appelle le milieu de congélation ou bien freezing medium. So, le milieu de congélation, ça doit être à 20% DMSO. Que veut dire 20% DMSO? C'est-à-dire 20 ml DMSO plus 80 ml de milieu de culture. Alors, dans un total de 100 ml de milieu, on doit avoir 20 ml de DMSO. Alors, si moi, j'ai besoin d'un volume total de 10 ml, il faut préparer sa moitié, il faut que sa moitié soit 20% DMSO freezing medium. Et il faut prévoir un peu plus. Là, par exemple, j'ai prévu 5,5 ml, sachant que 5,1 ou 5,2, c'est déjà très bien. Il ne faut pas trop prévoir en plus. Alors, mais pour faciliter le calcul, je vais considérer le volume 5,5 ml. Alors, pour un total de 5,5 ml, je dois mettre 1,1 ml de DMSO. Alors, dans ce cas-là, je prends 1,1 ml DMSO, auquel j'ajoute 4,4 ml de milieu de culture. So, 1.1 ml of DMSO plus 4.4 ml of growth medium to get a 20% DMSO freezing medium. Comme ça, vous aurez un milieu de culture à 20% de DMSO. Alors, both the growth medium and the 20% DMSO freezing medium should be put at 4 degrees. Okay. I think we are ready now. So the cell suspension, so the harvested cells should be centrifuged at, for example, for HEPA-RG cells at 500 G for 3 minutes at 4 degrees. So after the centrifugation, yes, we can see the cell pellet. Est-ce qu'on peut voir le culot cellulaire? Est-ce qu'on a centrifugé les cellules? OK, d'accord. Donc là, en fait, on avait repréparé. OK. Une autre suspension. D'accord. Alors, là, on a centrifugé les cellules, on a eu un culot cellulaire et puis on a resuspendu les HEPA-RG dans le milieu de culture.
mais seulement dans la moitié du volume nécessaire, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, dans 5 ml. Alors, comme on a déjà vu dans le TP de biologie moléculaire, quand on centrifuge, par exemple, les bactéries, on aura un culot tout en bas, et puis on se débarrasse de milieu de culture, et après, on resuspend les bactéries dans le tampon ou bien dans le milieu de culture, selon ce qu'on veut. Là, on a obtenu déjà un culot cellulaire et on a resuspendu les cellules. Alors, after the centrifugation, we obtain a cell pellet. So, we discard the cell medium and we resuspend the cell pellet in HepaAg growth medium, but only in half the required total volume. So, in this case, we resuspended the cells in 5 ml of growth medium. And we keep the cell suspension on ice. Alors, on laisse la suspension cellulaire dans la glace. Then, we will start to add slowly and drop by drop the 20% DMSO freezing medium that is also on ice. Alors, maintenant, on va commencer à ajouter le milieu qu'on a déjà préparé, c'est-à-dire le milieu de congélation avec 20% de DMSO. Comment on fait ça? Alors, prior to this step, we should calculate the volume of the 20% DMSO freezing medium that should be added per minute because the DMSO is toxic, so we cannot add all the volume in one shot. So we calculate the medium that should be added per minute. In general, it is the total volume of this medium divided by 5. So in this case, the total volume of 20% DMSO freezing medium is 5.5 ml. So divided by 5, it is 1.1 ml per minute. So each minute, we should add 1.1 ml of DMSO freezing medium. Alors, je redis en français. En fait, on ne peut pas ajouter le milieu à 20% DMSO d'un seul coup. C'est-à-dire les 5.5 ml là, on ne peut pas les ajouter tout de suite sur les 5 ml de suspension cellulaire. Mais on doit ajouter le DMSO goutte à goutte. Et en fait, il faut prendre le volume total et le diviser par 5. Là, par exemple, avec mes calculs, on a un volume total de 5.5 ml, mais avec les filles, on a 6 ml. Je vais continuer avec mes calculs. Imaginons que c'est toujours 5.5 ml de DMSO à 20% qu'il faut ajouter aux cellules. Donc, on divise le volume total par 5 pour obtenir la quantité qu'il faut ajouter à chaque minute. Alors, 5,5 divisé par 5, ça fait 1,1 ml pendant chaque minute. Alors là, on va commencer à ajouter goutte par goutte et en raison de 1,1 ml par minute. Si les filles ont déjà 6 ml à ajouter, donc ils doivent ajouter 1,2 ml par minute. Oui, on peut commencer. Alors, as you... Amina, on a juste préparé un peu plus. On n'a pas un ml. Oui, oui, il n'y a aucun souci. Hein? Aucun souci concernant les volumes. C'est juste que moi, j'ai montré avec certains volumes. Donc, je vais continuer à citer ces volumes-là juste pour les rappeler de ça. Alors, ils ont préparé, voilà le milieu à 20% DMSO. Elles vont commencer à ajouter, OK, goutte par goutte. Alors, regardez le chronomètre. On va démarrer une minute. So, in 1 minute, we should add like 1.1 ml of 20% DMSO freezing medium. We add this volume drop by drop while swirling. If we finish this volume before 1 minute, so we place the cells on ice before starting the second round of DMSO freezing medium addition. Alors, si on a ajouté tout le milieu contenu dans la pipette, et donc, il doit être ajouté en 1 minute. Avant que la minute soit terminée, on garde les cellules de nouveau sur la glace avant de commencer le deuxième tour d'ajout. On ajoute une goutte et on homogénéise, toujours en faisant ce mouvement circulaire. Là, il faut savoir que les cellules peuvent commencer à être stressées parce que 20% de MSO... Alors là, il faut mentionner que la concentration finale est 10% DMSO. Pourquoi? Parce que je suis en train d'ajouter 5 ml sans DMSO
je suis en train d'ajouter 5 ml à 20% DMSO sur 5 ml sans DMSO. Alors, je fais une dilution à la moitié. Et donc, la concentration finale sera 10% de DMSO. So, at the end, the concentration of DMSO will be 10%. As we are adding 5 ml of 20% DMSO to 5 ml of 0% DMSO. So, the final concentration is 10% DMSO. Don't forget, to shake the cells by this swirling each time after adding one drop of 20% DMSO freezing medium. So as I said before starting the second round of the DMSO 20% addition, 20% DMSO freezing medium, we put the cells on ice. On continue à faire cela jusqu'à terminer tout le volume de milieu de congélation qui est à 20% de DMSO. Alors, we repeat the same steps until adding all the required volume. Dites-moi si vous avez des questions, s'il vous plaît, pendant cette étape, parce qu'on va continuer à faire la même chose pour finir tout le volume du milieu de congélation contenant 20% de DMSO. Donc, si vous avez des questions, levez vos mains ou bien tapez-les dans le chat box. Donc, je rappelle que dans cette bouteille, en bas, il y a la suspension cellulaire avec la moitié du volume total étant le milieu de culture. Et ce qu'on est en train d'ajouter, c'est le milieu de culture, mais avec une concentration de DMSO de 20%. Alors, on est en train de faire une dilution du DMSO, une dilution de deux fois. Yes. Okay, I will repeat. So we get 10% DMSO at the end because we are diluting a solution of 20% DMSO freezing medium and an equal volume of growth medium without DMSO. So you are mixing 5 ml of growth medium with 0% DMSO with 5 ml of 20% DMSO freezing medium. So 0% plus 20%, as you have half-half at the end, you will have 10% DMSO. So it's a dilution with a dilution factor of 2. You are mixing the same volume, 5 ml, 5 ml. In one solution, you have 20% DMSO. In the other one, you have 0% DMSO. So at the end, as you are diluting the solution 2 times, you will get the half of the concentration. Instead of having 20%, you will have only 10%. Okay, Jana, is it clear now? So now we are dispatching 500 microliters of the final mixture in each freezing vial. Okay, great. Alors là, on est en train de... comment dire, de répartir le mélange, la suspension cellulaire qui est à 10% de DMSO dans les tubes dédiés à la cryopréservation. L'autre fois, j'ai eu une question concernant la cryopréservation. Donc là, vous allez voir, les tubes vont être maintenus pour une nuit à 80 degrés Celsius, puis le lendemain,
ils vont être transférés dans l'azote liquide, là où la température est aux alentours de moins 195 degrés. Voilà ce qu'on appelle la cryopréservation. C'est quand on garde les cellules, dans ce cas-là, à une température très, très basse. Alors, là que tous les tubes ont été remplis, on va boucher les tubes. Alors, j'étais en train de dire que then we will transfer the vials into a cryo box. It's a special box intended to be placed at minus degrees, but also at minus 80 degrees, but also at minus 195, I mean in the liquid nitrogen. So we place the cryo box at minus 80 degrees overnight, and the next day we transfer it into liquid nitrogen where the temperature is around minus 195 degrees. This is what we call a cryopreservation, because we are preserving the cells or any other biological material at very low temperature. Alors, comme vous le voyez, on travaille toujours sous des conditions stériles. Là, par exemple, sous la hotte. Et puis, on va mettre les tubes dans la cryobox à moins 80. Donc, ça, c'est la chambre. On va mettre, en fait... Est-ce que c'est la chambre froide, Flusa? Oui, Pamela, c'est la chambre froide. D'accord, mais on va mettre à moins 80 pour la nuit ou bien à moins 20 maintenant? Moins 80. D'accord. Oui, j'ai cru que vous... Oui, alors, d'accord. Alors, là, les cellules sont mises, ou bien les vials sont mises dans ce qu'on appelle cryobox. Et là, Pamela, on va attendre que le chrono arrive à 20 minutes avant de les mettre dans le moins 80. D'accord. C'est pour? C'est pour bien refroidir. Pour qu'il ait refroidi, tous les tubes, il est refroidi doucement. Progressivement, c'est ça. C'est ça? D'accord. Oui. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc, là, on garde dans la boîte avant de mettre à moins 80 degrés pour que les tubes se refroidissent progressivement, donc au bout de 20 minutes. Donc, pour ne pas faire passer les cellules d'un seul coup à moins 80. Donc, c'est une diminution progressive de la température. Après, on va les garder à moins 80, alors, sur la nuit. Et puis, le lendemain, dans l'azote liquide. Alors, c'est soit dans la vapeur liquide, dans la phase vapeur ou bien dans la phase liquide de l'azote liquide. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Flusa et Lucie, merci beaucoup pour ce live. Merci à toi, Pamela. Merci. De rien. Merci à tout le monde. Alors, laissez-moi savoir, est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? I have two questions, please. Oui, Jana. Lemon namel shaking la 96 ou 384 well bad seeding. Ok, alors pourquoi on n'agite pas les 96 ou bien les 384 les plaques à 384 puits ou bien les plaques à 96 puits ou bien why we should not shake in a cross like pattern the 96 multi well plates and the 384 well plates. Parce que dans les plaques 96 puits, si tu fais ce mode de shaking, les cellules vont précipiter juste au milieu en un seul point. Comme la surface est très petite et très restreinte, tu n'es pas obligé de faire ce mode de shaking. Tu n'es pas obligé de mélanger les cellules. Et alors, les cellules vont se répartir d'une façon uniforme dans tout le puits. C'est parce que la surface est très, très petite. Because the surface in the 96 multi-well plate and in 384 well plate is very reduced, so you don't need
to make this mode of shaking because the cells will precipitate in only one point in the well. And so our aim is to distribute, to evenly distribute the cells. So if we do this mode of shaking, the cells will precipitate and you will no more obtain an even distribution of cells. Okay? Est-ce que c'est bon, Jana? Oui, vas-y, pose une question. Dans la session اللي قبل, quand on a cell counting, on a fait un manuel. Alors, si on a beaucoup de cells, un cluster de cells. Pardon, tu peux répéter, on a fait un avec quoi? Répète. Nous, on a fait un manuel, c'est pas automatique. Yes. إذا كان في clusters of cells أو ما كانت واضحة بنعمل dilution بعد؟ No. It's normal to have clusters of cells. Alors c'est normal d'avoir des aggregats de cellules. Il faut faire attention, il faut essayer de faire un comptage, an accurate cell count. So we should try to make an accurate cell counting manually and to count each cell, each individual cell in the cluster. So c'est très important de faire un comptage très très précis et de compter toutes les cellules dans un aggregat. Est-ce que vraiment on va réussir à estimer ou bien à savoir précisément le nombre de cellules? Non, on peut être à une ou deux cellules près, sauf que on doit essayer au maximum d'estimer le nombre exact de ces cellules. OK, Jana, so لازم تقريبا نقدر عدد cellules in each clump or cluster. OK, يعني ما لازم تكون كثير accurate او لازم نكون accurate. On doit être très précis. We should be as accurate as possible to have the right density of seeding. Okay? So but we don't perform a dilution because it will not help. If you have many clusters, you can do a up and down pipetting to avoid having a very big clusters. Okay. وعادة الvolume للcrotin blue بتكون لازم قد الvolume للسل أو فيها تكون أكثر. No, it depends. Parfois on fait a half dilution, so a dilution factor of 2. And for example, in the case of hepo-IgG cells, if you are using the differentiated cells, so here the dilution factor should be 10. So you use 100 microliter of cells and 900 microliter of trypan blue. So it depends from the cell type and from the cell counting. So en général, لازم تكون بتعرفي combien de cellules فيه يكون فيه عادة بقلب هيدي الفلاسك. For example, for hepo-IgG cells, in average, you have 5 million cells in each small flask and like 14 million cells in each large flask or 75 centimeter square flask. So you can estimate the dilution factor that should be used with trypan blue. It's not always the same. Okay, doctor, thank you. Welcome. Another question? If you have questions, don't hesitate, please. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon? Docteur? Oui, allez. Oui, alors, c'est quoi la différence quand on stocke dans la vapeur d'azote liquide et dans la phase liquide? Alors, il n'y a pas vraiment une grande différence. La température, la très basse température, ou bien la condition de la très basse température est présente dans les deux phases. Donc, soit tu peux submerger la boîte qui est bien fermée dans la partie liquide de l'azote liquide, soit tu peux laisser dans la partie vapeur. Parce que après, vous allez voir quand vous allez utiliser ce genre de liquid nitrogen tank, quand vous ouvrez, la vapeur va se dégager. Alors la vapeur a vraiment une température très basse. Donc les cellules peuvent être gardées dans les deux phases sans aucun problème. En général, ce qu'on met, on submerge les boîtes dans le liquide. Mais si pour une raison ou pour une autre. Alors, le niveau de liquide, c'est une question importante, Ali, qui va me permettre de répondre à autre chose. Alors, avec le temps, le niveau de liquide, de l'azote liquide, va diminuer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tout le temps la transformation en vapeur. Alors, ça va diminuer. Et donc, vous êtes amené à faire un filling, à remplir régulièrement
ce tank. Ça dépend de son volume, de la vitesse d'évaporation, mais vous devez tout le temps vérifier le niveau de liquide et remplir. Pourquoi? Pas parce que si le niveau de liquide va diminuer, alors les cellules vont être dans la phase vapeur. Ça, ça pose pas problème. Mais si le niveau de liquide va continuer à diminuer jusqu'à disparition complète de l'azote liquide, c'est là que les cellules ne vont plus être à une température convenable et donc ça va se décongeler. Donc, même si vous ajoutez... Alors, quand les cellules se décongèlent tout doucement et très lentement dans un milieu contenant 10% de DMSO, c'est là que les cellules vont mourir. D'accord? Parce que c'est très toxique. Parce que les cellules vont passer graduellement, la température va augmenter progressivement. Alors, en arrivant à 8 degrés ou bien 10 degrés, donc une fois décongelé et qu'on est à 8 ou bien 10 degrés, c'est là que le DMSO est très, très toxique parce qu'il entre dans les cellules. Alors, les cellules vont mourir. Même si vous remplissez de nouveau ce tank, donc sans faire attention qu'il était vide, vous remplissez, les cellules vont se recongeler, sauf que en faisant la décongélation, quand vous voulez utiliser ces cellules, vous allez vous rendre compte que ces cellules ne sont pas adhérées au bout de 6 heures, par exemple, pour les EPA-RG. Donc, vous n'avez pas de cellules adhérentes. Pourquoi? Tout simplement parce que les cellules sont mortes. Donc, c'est sur ce point-là que vous devez faire attention. Mais à part ça, tu peux garder sans problème les cellules, soit dans la phase liquide, soit dans la phase vapeur. C'est bon, Ali, j'ai répondu? Oui, merci. J'ai une autre question. Alors, quand on a fait la dilution, quand nous avons ajouté le 20% d'AMSO, nous avons ajouté 0,5 ml de plus. Alors, à la fin, nous aurons une concentration d'AMSO qui est un peu plus supérieure de 10. Oui, voilà. À peu près 10,46, j'ai vu, calculé. Alors, est-ce que ça pose problème? Oui, bien sûr, ça pose problème. C'est pour cela que j'ai dit, il faut prévoir a little extra volume. So, il faut prévoir un tout petit volume supérieur. Donc, si vous avez besoin de 10 ml, pourquoi vous avez besoin de 10 ml? C'est que vous allez répartir la suspension cellulaire dans 20 tubes. Parce que moi, j'ai dit que dans chaque tube, vous devez ajouter 500 microlitres. Donc, 0,5 ml. Donc, si vous avez un total de 10 ml, donc vous devez congeler à la fin 20 tubes. Sauf que si vous avez exactement 10 ml, à la fin, quand vous voulez en fait dispatcher, répartir le milieu dans 20 tubes, quand vous arrivez dans le dernier tube, vous n'aurez jamais 500 microlitres. Vous allez avoir genre 200, 300 microlitres. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes sur le cône, des pertes sur le tube. C'est pour cela, pour avoir 500 microlitres pour le dernier tube, il faut prévoir un peu plus. Alors, si vous avez besoin de 10 ml, il suffit de prévoir 0,1 ou bien 0,2 ml en plus. Pourquoi pas plus que ça? C'est pour ne pas avoir une concentration de DMSO supérieure ou inférieure. Bien vu, Ali, c'est ça. Alors, c'est pour cela que j'ai insisté. Ça doit être 0,1 ou bien 0,2 ml. Ça dépend du volume total. Si vous préparez 100 ml, là, il faut facilement prévoir 1 ml, par exemple, de plus. D'accord? Mais pour les 10 ml, il ne faut pas que ça soit supérieur à 0,1 ou bien 0,2 ml parce que là, la concentration de DMSO va être vraiment différente. Et ça, c'est un point délicat. Mais pourquoi j'ai considéré 0,5 ml? C'était juste pour faciliter le calcul. Donc, pour avoir un total de 5,5 ml et pour diviser par 5 et avoir 1,1 ml pour chaque minute. C'est juste pour ça. Parce que pour sûr, il ne faut pas considérer 0,5 ml en plus. Pour 10 ml, pour un total de 10 ml. C'est beaucoup trop. D'accord? Parce qu'après, le DMSO, il ne sera pas dilué à deux fois. C'est-à-dire, on n'arrive pas à une concentration de 10%, mais à une concentration supérieure. Tu as raison, effectivement. Est-ce que tu as une autre question? Non, merci. C'est bon.